Avec toutes sont commutées. Voilà, chaque personne a son domaine de compétences. Avec patronné par Didier 113, il a sa casquette Didier 113. Alors Alain Sévrier, hier on a fait un petit bilan rapide. Encore chaque jour on fait un petit bilan. Aujourd'hui ça, hier ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, oui, très bonne course. Sur le plan sportif, c'est excellent. Sur le plan organisationnel aussi, je pense que pour François, on va découvrir aussi de bonnes choses, de belles choses. Mais la course aura une particularité aujourd'hui, c'est de partir du Vauclin. Avant de rejoindre le François, nous allons faire un tour au Robert. C'est la première fois que le tour va passer, justement, on va utiliser la passe de l'écurie. Deux fois. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons utiliser la passe de l'écurie avant de revenir au François et demain avant de remonter à Trinité. Alors voilà. C'est vrai, on va dire que ce sera une belle régate aujourd'hui. Ce sera une belle régate aujourd'hui. Il y a du vent, donc on verra de belles choses. On vous souhaite bon vent, Alain. Okay, merci beaucoup. En merci. Tout cas, on y va. C'est le vrai parcours du combattant. C'est le vrai parcours du combattant. Vous allez au plateau, je sais. Vous retournez en plateau. C'est le vrai parcours du combattant quand il faut aller faire des interviews pour ne serait-ce Mérine, mais d'autres acteurs d'Emma Pipi. Donc c'est vrai que c'est un plaisir. Alors on rappelle que l'équipe de Tinéanti a fait le déplacement donc depuis l'Hexagone hein, pour vivre ça. Donc ça fait quelques années qu'on le fait. Et puis je pense que ça fait partie également donc, des éléments phares. Donc, des vacances en Martinique, du sport nautique, mais également de l'économie, du social, de la santé, parce que c'est du sport et puis c'est la plus grande fête populaire. Donc moi, je suis en tout cas très, très content, très enchanté donc, de faire partie donc, de cette équipe. Et on vit pleinement les choses. Et quand on voit donc, cette pièce populaire, on se dit eh bien, voilà, que ce tour, que cette organisation, remercie également donc, la fédération, la sécurité, donc à terre, en mer, donc le SDIS, les affaires maritimes, donc voilà tous ces acteurs qui travaillent autour de cet événement. Franchement, c'est que du bonheur. Vous êtes venu avec un groupe de personnes ici qui vous accompagnent, la régie, Jeff, mais vous, mais également le preneur de son, la caméra, on sait déjà tout un ensemble pour faire un bon migrant.
Alors on a une délégation d'une dizaine de personnes cette année, donc on a un petit peu renforcé l'équipe. Alors ça nous est arrivé de venir donc à 4, mais voilà, là aujourd'hui donc on a d'autres technologies qu'il fallait qu'on expérimente, donc on a une équipe d'une dizaine de personnes, vraiment on est bien installé, on profite pour saluer nos différents partenaires qui sont avec nous. Et puis on rappelle que cette année pour la première fois on travaille donc en étroite collaboration avec KMT Martinique qui relaye ces images. Donc depuis la Martinique pour l'île, et on est en tout cas très partagé et très content de faire partie de cette aventure. En parlant d'images, Mike, c'est des images que vous pouvez voir également sur Dédé News Martinique. Dédé News Martinique, l'incontournable. Voilà. Moi, Dédé, moi j'ai envie de te remettre une palme d'or parce que tu ne lâches rien. Je reste discret. Le football, le hand, enfin tous les sports, tu es donc très actif. Et tu permets également donc à travers le sport, mais pas seulement à la Martinique, donc de vivre et de s'émanciper, et ça c'est plutôt pas mal. Et bravo encore à toi. Et Mike, dernièrement j'étais en métropole, j'étais obligé de passer voir des petits jeunes du côté dans 91 pour leur faire un petit coucou également. Je crois que c'est Sili Mazarin. Si je me souviens, Sili Mazarin, on me demandait, mais à quel moment tu as eu le temps, Daniel, de faire un reportage pour ces petits jeunes? Eh bien voilà, c'est ça, Dédé News, en même temps, de ne rien laisser, et surtout de mettre en évidence la jeunesse, comme vous le faites à Télé Anti-Martinique. Je vais même dire c'est Télé Anti-Martinique, même pas Télé Anti-France, Télé Anti-Martinique, parce que vous êtes partout. Maintenant, vous êtes sur Canal KMT Télévision. On est sur Orange, on est sur Bouygues, et puis on est sur tous les différents réseaux. On est sur Dailymotion, sur YouTube, sur le Facebook. Et puis, depuis aujourd'hui, je t'annonce cette nouvelle, on est sur TikTok également, en direct, puisque sur TikTok, on peut également diffuser jusqu'à 3 heures de direct. Voilà, donc Télé Anti absolument partout, et on est près de vous. Merci encore. Merci à vous. Alors, si un monde pas, ouais, ça y est, les voyages, ça c'est Zafayo. Et comme la gueule, CTDM, EDFD, ça passe à faire. Ça passe à faire. Merci Mike. Merci à bientôt. Apparemment, vous devez le connaître celui-là. Il est avec la gueule CTDM, EDF. Alors Frédéric, ça vous rappelle des souvenirs, ces moments? Oui et non. Parce que j'ai jamais arrêté de suivre la gueule, hein, donc... Souvenir, ouais, mais montrer à la population j'ai compris, ce qui se passe. C'est vrai, quand je suis autour des tout le monde m'attend avec une caméra ou un micro, mais je leur dis, là j'accompagne mon fils qui pratique de la voile traditionnelle, il est branché yol, donc je l'accompagne comme je peux. Voilà, on l'accompagne en famille, on suit le tour avec lui. Voilà. Alors c'est vrai, hier il y avait eu un mauvais choix de voile pour CTDM et EDF. Ce matin c'est bon. Une bonne voilure, ils vont arriver au François. Alors je ne suis pas dans les secrets des dieux, donc je ne sais pas. Après, on sait que très bien que l'aïeul, il faut être très attentif. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, on perd tout, on dessale. Et je crois que cet EDM, il leur manque encore cette rigueur pour être tout le temps au taquet, parce que le vent est imprévisible. Je crois que c'est à ce point-là qu'ils doivent travailler. Après, je ne sais pas s'ils avaient une trop grosse surface de voile hier soir. Donc on va voir. Hein. J'espère simplement qu'ils n'ont pas été atteints mentalement et qu'ils vont pouvoir faire aujourd'hui une belle course. Ils ont quand même le moral ce matin. Ils ont toujours le moral. Vous avez vu, il y a deux bus de supporters. Ils ont un public. Il y a des gens qui suivent. Donc ils sont tous les jours encouragés. C'est une équipe qui est jeune. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans la gueule. Ce sont des jeunes, mais qui pratiquent de la voile traditionnelle il y a déjà ça fait un moment. Et puis c'est une école de formation, donc c'est très bien. Et surtout, ils ont aussi des femmes avec eux. Voilà, deuxième trompette avec Frédéric. Nous allons le laisser, Frédéric Janvier. Vous le connaissez déjà, nous allons le laisser. Et après, nous irons sur cette ligne de départ pour vous faire vivre le départ de cette 37e édition du Tour de Martinique des Hurlrondes. Je rappelle, départ ici au Vauclin pour une arrivée au François. Oh, que la fête soit belle, et messieurs les yoleurs et les équipages 100% sport vous souhaitent bon vent. Que Eric Aglaé, alors Eric, c'est vrai, directeur de secours de cette manifestation, ce Tour des Hurlrondes. Comment ça se présente depuis le départ, depuis le prologue? Comment ça se présente? Pas d'incident? Oui, ça se présente bien globalement. Mais on a quand même à regretter un incident avec un kata.
lors du prologue qui a causé la casse d'un de nos bateaux et bien évidemment toute la démobilisation qui va avec, quoi. Donc c'est quand même emmerdant, j'utilise le terme approprié, de voir que ceux qui viennent pour voir l'éole saccagent l'éole. Donc c'est pas la peine de venir, rester chez vous. Et comme ça, nous, on va faire nos petites affaires, rester à la télé, regarder. Nono qui disait qu'il fallait prendre, vous avez mis pas mal de mesures de sécurité en place pour avoir, on va dire, cette faille dans l'organisation et cette faille sous la mer. Effectivement, comme vous dites, Eric, les gens n'ont qu'à rester chez eux carrément. Alors, moi, je ne vais pas parler de faille. Hein. Ça n'est pas une faille dans l'organisation. Quand vous avez un bateau et que vous foncez délibérément sur une yole, ce n'est pas une faille. Pour moi, c'est une... je ne veux pas donner le mot à la télé. Parce que bon, vous venez... Attends. Eric qui met en place l'élément qu'il faut pour ne pas dépasser la ligne. Voilà, c'est la ligne. Ne pas dépasser la ligne. En tout cas, Eric, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce parcours? Je souhaite que, bon, premièrement, on ait un petit peu plus de vent, parce que c'est quand même notre moteur. Ouais. Et puis, que bon, que la fête soit belle, parce que les coursiers ne demandent qu'une chose, c'est faire le tour. Certes, il faut qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait des vaincus, etc., etc. Mais c'est une fête, c'est la fête de la voile traditionnelle martiniquaise, c'est la fête de l'aïeul, c'est la fête de notre patrimoine, c'est la fête de tout ce qu'on veut. Mais quittez-nous voilà avec nous. Voilà, Alain Richard qui disait que c'était une belle fête en mer, mais sur terre aussi. Vous partagez ce point de vue? Oui, c'est bon. Nous faisons terre-mer puisque nous sortons de terre pour aller sur la mer, nous revenons sur la terre. Nous sommes attendus sur la terre, nous sommes attendus sur la mer. Donc globalement, on fait terre-mer et maintenant on fait drone, puisqu'avec les drones, on a la transmission des images partout dans le monde. Eric, 100% ce soir, vous souhaite bon vent. Merci. Alors, toujours ces belles images pour le peuple martiniquais. Ben oui, ça veut dire que vous êtes au travail, la casquette, le bob et la tenue qu'il faut. Et les chaussures mouillées. Et les chaussures mouillées. Oui. Voilà. Ben, il faut être au plus près de l'événement. Hein. Ça veut dire que vous êtes au combat. On est au combat. On et est c'est, là. C'est également une bataille pour vous. D'être là tous les jours. Non, c'est du plaisir. C'est beaucoup de plaisir. Moi, je dis que c'est une bataille parce que seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance et vous ne voulez rien perdre en termes d'image. Exactement, c'est ça. En tout cas, on est présent et puis on fait plaisir aussi aux gens parce que 100% sport vous remercie. Bon courage et surtout bon vent. Merci. Et carrément du Vauclair au bord de mer. Alors j'aime cette passion là aussi. Alors c'est vrai, on sait que vous êtes le meneur du club cycliste Vauclinois, oui. Vous avez un stand hier, on a vu ça. Oui. Le Vauclin est toujours en tête. Oui, le Vauclin est toujours en tête. Et l'année prochaine, on va avoir le Vauclin encore plus en tête encore l'année prochaine, parce qu'on est en train de monter tout là, on va voir pour l'année prochaine. Ah ben, il faut dévoiler les secrets à 100% sport. Non, pas 100%. Il faut attendre... On ne dit rien à KMT. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, ben, il faudra venir me voir sur le plateau. Eh bien, il n'y a pas de souci, hein, ben, à la prochaine. On vous attend en septembre pour venir nous parler du club cycliste Vauclinois. Ok, il n'y a pas de souci. 100% sport te remercie et te souhaite aussi bon vent. Merci. On est avec sûrement avec des vacanciers, messieurs. Mais carrément. Bon, carrément des vacanciers. Ah oui. Vous nous revenez de quel coin de la France? Alors, Poitiers pour cette partie-là. Poitiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à Poitiers? Ah, écoute, il n'y a pas beaucoup moins de choses qu'ici. Il hein. n'y a pas de On va pas rivaliser. Je sais, en matière de ballon, l'aiglon était monté, couper les ailes de l'équipe de Poitiers. Ah ouais, c'est ça. Alors, comment ça se passe pour vous? Ben, ça se passe très bien, c'est super. C'est bien. On est vraiment émerveillé. Vous arrivez à supporter la température, la chaleur, ça va? On évite les moustiques un peu, mais ça ne marche pas toujours. Ah, ça ne doit pas fonctionner tous les jours. Hein. Mais en tout cas, avec le chapeau, on risque de ne pas attraper de coups de soleil. Alors, vous aussi, vous êtes de Poitiers? Ah non, absolument pas, non, on n'oserait pas. Nous, on est d'Ardèche. L'Ardèche? Ah, ouais, oh là là, c'est encore plus joli encore.
Ouais, mais vous savez, à Poitiers, ils ont quelque chose d'exceptionnel, hein. Ah oui. Ah ben, c'est quoi qu'il y a à Poitiers? Ouais. Alors c'est quoi? Dites-le fort. Futuroscope. Le futuroscope. Ouais, on vit, mais on ne s'occupe pas de ce qui se passe à côté. Le futuroscope, elle a gagné la dame. Alors vous, vous êtes dans l'Ardèche, ouais. Encore un beau pays aussi. Ah, c'est magnifique, c'est le plus beau pays du monde. Ah ben je sais pas, et pourquoi vous êtes en Martinique si c'est le plus beau pays du monde? Parce que c'est bien de changer de plus beau pays du monde justement. Ah ben passer d'un plus beau pays du monde à un autre plus beau pays du monde. Ici vous êtes à l'île aux fleurs, alors c'est la première fois que vous vivez ce... On a habité 13 ans nous ici. 13 ans. Où il est né? Ah je sais pas, où est-ce que tu es né toi? En Martinique. Ah, tu es martiniquais. Alors tu es où? Qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Je suis en vacances. Tu supportes quel yole? Je sais pas. Tu sais pas? Il y a 16 yoles dans les 16, tu peux pas me donner une yole? Sarah, tu veux de l'énergie alors? Ouais. Ah ben ça sera de l'énergie nouvelle pour toi. Voilà, on vous souhaite de passer de bonnes vacances et puis tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon vent. Merci, merci. Merci. Alors Félix, c'est vrai, hier, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à la première yole, on nous a dit qu'ils avaient un peu de Parkinson parce que l'armada de l'UFR était derrière eux à l'arrivée. Aujourd'hui, tu t'es dit, il faut que tu arrives sous cette ligne d'arrivée au François. Oui, oui, non, c'est vrai. Bon, il fallait gagner quand même une étape. C'est vrai, on ne pensait pas prendre le maillot rouge, mais quand même, bon, on savait que si on gagne une étape, c'est vrai, bon, y a 17 secondes, et que bon, il fallait gagner. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai, je dis 17 victoires à ce peuple-là, qui est toujours à côté de nous, qui nous supporte beaucoup, et surtout une belle victoire au François, surtout devant notre ami Tamis Mouzel. C'est clair que quand même, on est quand même content aujourd'hui. On est vraiment parti pour aller décrocher cette 11e étoile, Mérine. Ah, je ne dis pas ça maintenant. Ah non. Ah ben, moi je veux savoir. Ah non. Parce qu'il y a encore Trinité Saint-Pierre. Voilà. Et après le reste, Fort-de-France, Saint-Pierre, Fort-de-France. Ah non, c'est très difficile. C'est très difficile, mais je sais bon au moins que. On va se battre jusqu'au. En tant que patron de Yol, maintenant, vous pouvez dire la vérité qu'il y a aujourd'hui des jeunes Yoleurs qui ont pris la relève. Et ça vous fait plaisir parce que vous avez mis avec les autres patrons de Yol une formation pour mettre en place cet avenir avec ces jeunes. Ah oui, bon, je suis quand même, on est quand même fiers à Thomas, Georges-Henri Lager et moi-même. On a mis la Yol, c'est vrai, au niveau, c'est vrai, parce qu'après, quand François Gilles est parti, Charles Exili, tous ces gars-là sont partis, c'est vrai que nous, la génération à Thomas, Georges-Henri Lager et moi-même, on a quand même effectivement donné un tout petit pouce justement à la Yol, parce que c'est vrai, c'est devenu un sport, hein. C'est devenu vraiment un sport, il faut se préparer trois fois par semaine, et c'est cette génération-là qui a mis ça sous place. Parce que la génération de François Jules, de Charles Exili, ces gars-là, c'est vrai, ils allaient autour comme ça. Mais nous, on a vraiment révolutionné. Et effectivement, aujourd'hui, il y a les jeunes sont là. On est très, très, très contents que ces jeunes-là, ils reprennent le flambeau. Et que la Yole a longue vie. Longue. Félix Mérine, on vous souhaite bon vent pour Trinité Saint-Pierre. Merci. Merci. Alors, bonjour madame, comment ça se passe cette 37e édition pour vous? Ah, c'est la première fois que je suis l'édition. Vous revivez la tradition des yoles? Ah oui, parce que je suis du Robert, et que mon père était marin pêcheur. Un peu chauvine par hasard, non? Non, ça va? Très, très Robertine. Très Robertine. Alors aujourd'hui, quel yole qui arrivera? C'est Rosette? Ah, ça, je n'ai pas fait de pari. Ah ben, Rosette arrive chez lui, hein? Non, mais il peut arriver chez lui, ça ne veut pas dire qu'il arrivera pas lui. En tout cas, l'UFR Chanfleur n'est pas très long, il risque de lui couper l'herbe sous le pied. Hein. Non, je ne me prononce pas, mais je dis, ça ne veut pas dire qu'il arrivera premier chez lui. Ça se pourrait, puisque c'est ça le jeu.
Alors comment ça se passe pour vous, pour l'ensemble, avec les résidents? Il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent. C'est très agréable de voir qu'on s'intéresse à ce qui se passe. Ça fait plaisir de voir qu'on a mis des résidents, on a mis un endroit réservé pour les résidents. Oui, oui, parce que vu le soleil, je crois que ça aurait été difficile pour nous d'être juste en face de la mer. On n'aurait pas tenu longtemps. D'accord. 100% sport, vous remercie. Alors, monsieur Lordino, comment ça se passe pour vous ici? Ben, ça va, ça va, ça va. Ça change un petit peu de la Ford Capri que vous avez à l'époque, ça vous... C'est une bonne mémoire. Ah ben, je suis comme vous, hein. J'ai la mémoire, pas d'éléphant, mais j'ai la mémoire qui me permet de savoir à l'époque avec vos amis, Fefe Bleni et compagnie, Déo. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes venu voir le tour des halls, comment ça se passe? Calmement, je suis là pour qu'il n'y a pas de voir une barbe. En tout cas, on vous a mis la cerise sous le gâteau parce que vous êtes bien placé pour voir l'arrivée. J'ai fait 4 AVC. Donc, vous êtes encore là. Et vous êtes encore là. Ouais. Eh bien, on vous souhaite bon vent. Vous êtes un Samaritain, votre nom c'est quoi? Daniel Diaz. Daniel. Alias Dédé. Ok. Vous devez me voir tous les lundis soirs chez vous à KMT Télévision, 100% sport. Pas de problème. Merci beaucoup. Okay. Comment ça se passe avec les résidents qui sont ici, qui sont venus voir le tour des halls? Donc ça se passe bien, ils sont heureux d'être parmi nous. Ils sont heureux de voir les jeunes, de voir tout le monde, de voir la plage. Ils sont bien placés pour voir l'arrivée. Ils sont bien placés. La mairie avait proposé une organisation, ils sont bien placés. Alors... ici arrivé de l'UFR Champfleur en pole position. En deuxième position, c'est Rosette Lapalooza. Et en troisième position, c'est Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. Voilà les trois yoles qui sont arrivés ici dans la commune du François après un départ au Vauclin à 10h. Ils sont arrivés ici avec une belle victoire de l'UFR Champfleur, suivie de Rosette Lapalooza et Sarah Énergie Nouvelle en troisième position. On attend les autres yoles ici. Une belle victoire pour l'UFR Champfleur aujourd'hui. Tout à fait, très belle victoire. Ils sont toujours sur le terrain, donc c'est très bien. Ils l'ont vraiment mérité. Vraiment. Ils ont bien combattu. De toute façon, les trois équipes là, les trois yoles, très bien. Bon travail. Hier au Vauclin, on l'a vu faire trembler la yole de Loïc Mas. Tout à fait. Est-ce que Loïc Mas avait peur de l'armada qui lui arrivait derrière? Non, je ne pense pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a du challenge. Et ça, c'est important dans ce type de sport. En fait, quand c'est des mapipi qui se respectent. Exactement. Aussi. Les jeunes, les moins jeunes. Et en fait, c'est ça. Il y a une relève. Donc, c'est, je pense, un respect pour en tout cas les jeunes yoleurs. Merci.